C'est ensemble avec ses partenaires, ses abonnés, entre autres, que la société de téléphonie mobile MTN Congo va écrire la page de ses 20 prochaines années. Au cours du Media Day organisé ce samedi 29 octobre 2022 à Brazzaville, une fois de plus, à l'occasion de la célébration de ses 20 ans d'existence en République du Congo, MTN a présenté aux différents partenaires les réalisations des 20 dernières années. Ce qu'on peut retenir de la contribution numérique de MTN sur les 20 dernières années, et sans hésiter, le travail qui a été abattu avec vous, les différents partenaires, les journalistes, les médias, les différents acteurs, les distributeurs, tout le travail qui a été accompli sur le mobile money. Je rappelais que le mobile money aujourd'hui, c'est 62% des abonnés de MTN qui l'utilisent, donc c'est plus de 2 millions d'abonnés qui chaque matin utilisent le mobile money. 62% de taux d'utilisation, c'est un des taux d'utilisation les plus élevés, sinon le plus élevé dans le groupe MTN. Le mobile money au Congo, c'est également 100 milliards de transactions chaque mois qui sont réalisées par l'ensemble des Congolais qui ont complètement adopté ce service. Dans son ambition 2025, il y a la mise en œuvre de la 5G dont le test expérimental a été réalisé ce 28 octobre 2022. Le soutien à l'économie numérique, l'autonomisation économique. Mais sur quelle page voudrons-nous écrire davantage dans les 20 prochaines années? Chers partenaires, notre groupe, dans son ambition 2025, transforme nos activités en fourniture de plateformes et de solutions numériques pour soutenir l'économie numérique et l'autonomisation économique. Il s'agit toujours de la valeur partagée dont nous pouvons profiter. Et le test de la 5G que nous avons fait hier n'est qu'un début. Je termine en vous invitant à écrire ensemble cette belle et future histoire en poussant notre partenariat et en enrichissant notre collaboration. L'un des partenaires économiques sûrs de l'État congolais, à travers le paiement des taxes et impôts, la création des emplois directs et indirects, MTN Congo n'entend pas laisser à la marge les médias qui sont censés les accompagner durant les 20 prochaines années à travers la production des contenus de qualité.